se retrouve dans une nouvelle vidéo chasse aux fournitures chez Cultura. Faux de mémoire, poisson rouge, dormi. À chaque fois, je confonds avec Action ou Ikea ou tous les magasins de la Terre. Mais avant de commencer cette vidéo, on se... oui. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Mais on peut vraiment commencer. C'est parti. Il y a une petite tête blonde qui met son petit grain de sel dans la vidéo. Voilà, donc c'est parti pour la chasse aux fournitures scolaires. Voilà chez Cultura. Bon, on est en direction des fournitures scolaires. Cindel, ouais. Tu nous expliques un petit peu cette chasse aux fournitures, est un peu particulière. On va faire une, ouais, une liste de fournitures que toutes les classes ont en commun. Voilà, tout le monde a en commun les mêmes fournitures. C'est une première liste de fournitures. Alors, pour être totalement transparent avec vous, on est au mois de juin et Cindel s'en va chez son papa demain. Et on tenait à vous faire cette chasse aux fournitures scolaires parce qu'on sait que vous l'appréciez. S'il y a une deuxième chasse à faire, qui la fera pendant que tu ne seras pas là? C'est cette petite bestiole qui est juste là, là-bas. Enola ! C'est juste pour te faire un coucou. C'est juste toi qui seras chargée de faire la liste, la chasse des fournitures scolaires s'il y en a une deuxième à faire pour Cindel au mois de juillet chez Cultura. D'accord. Ok, okay, mission acceptée. Sois contente, tu pourras tester le piano. Voilà. Donc nous, on va en direction des fournitures scolaires. Allez, on te suit. J'ai besoin l'impression de faire plutôt des livres. Ah bah là on est dans les livres. Chez Cultura c'est très 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 complet. Et Nola elle regarde surtout les instruments de musique. Il y a des cahiers, il y a plein de choses. Là c'est les livres. Ah, je crois que c'est les agendas. Je vais pas prendre comme ça, c'est galère. Ouais, de toute façon là c'est des livres. Ouais, c'est des livres là. Oh, bon, on fait toujours un petit taré pop chez Cultura avant de faire les fournitures scolaires. Et ça arrive. C'est The Walking Dead. Regarde. Oh, s'il te plaît, maman. Non, c'est pas le moment là. C'est qui? Professeur de café. Ah, chou. Bon, on va y aller parce que là, c'est pas du tout les chasses aux fournitures scolaires là. Là, il y a plein de trousses. Alors, faut savoir que les trousses, on a déjà les deux des poupées LOL. Donc, on va peut-être en prendre une pour marquer le coup. Mais voilà, une seule. Hein, parce qu'il y en a quand même deux qui sont très très belles. Et là, il y a des. Et en plus, tu as reçu celle de Swan Cooking Magic l'année dernière. Donc, c'est vrai que Cindel peut souvent changer de trousse. Mais c'est vrai qu'elles sont super jolies. Regardez-moi ça. Regarde les trousses holographiques. Et celle-là, toute transparente avec les étoiles juste holographiques. Et celle-là. Et celle-là. Waouh, toute fluffy. Ah, c'est vrai qu'elle est chou celle-là. Et celle-là, elle est trop classe. Ouais, classe aussi. J'ai toujours rêvé d'avoir une trousse transparente. Et en plus, celle-là, elle est pailletée. Alors, en trousse transparente, t'as celle-ci de pailletée, t'as comme ça rose, t'as comme ça toute simple, mais chouette aussi. T'en as là avec des petits pois. Ça, non, c'est pas transparent. T'en as là, pardon. T'en as là, comme ça, merci avec bien. Les étoiles holographiques. Ah, oh, chou. C'est joli. Ouais, j'aime bien celle-là, moi j'ai petit coup de cœur sur celle-là. Là, t'en as des rose gold aussi, je vois. Comme ça. Oh, voilà. Oh, regarde-moi ça, comme c'est d'une chouettitude. Alors celle-là, bon, on va ramasser, hein. Mais celle-là, c'est transparent. Là, il y a le papier, mais sinon, c'est transparent. Et t'as vu, un petit lama. Celle-là aussi, c'est du thème. Il y a quoi, là? C'est du thème savane et c'est transparent. C'est jungle, je pense. Ça c'est pareil, c'est transparent. Hein? Nola qui a des goûts plus chelous. Hein? MCIS. En fait, pour le piano, il faut que ça apparaisse de marquer quoi plus comme ça. Non, on n'est pas dans les fournitures scolaires là. Tu veux une trousse? Je veux bien la bleue, ouais. Tu veux bien la bleue, celle-là, celle que tu as dans les mains? Ok. Est-ce que mieux d'aller chercher un. Alors voilà, ça c'est le problème qu'on rencontre à chaque fois. On ne prend pas de panier. On oublie de prendre les paniers. Ensuite, il faut remplir cette trousse. Donc, c'est comme on vous a dit, c'est des fournitures basiques. Stylo rouge, stylo bleu, stylo noir, stylo vert, crayon à papier, gomme, taille crayon, ciseaux, colle.
Voilà tout ce qu'on doit trouver. C'est parti. Dans les bacs certainement là-bas. Si tu trouves en chemin un cahier de texte, n'hésite pas à jeter un œil dessus. Un cahier de devoir, quoi. Oui, c'est un cahier de texte. Ah, il y a des choses ici. Oh bah voilà, regarde. Faut prendre un blanco. Blanco, non, c'est pas demandé. Et moi j'en ai besoin. Alors qu'est-ce que t'as pris là? Parce que sinon elle est prend, mais on regarde même pas. Donc là, il y a quoi? Des stylos cristal original de chez Bic, 20, format spécial. Donc il y a du rouge, du bleu, du noir et du vert. Attends, je vais regarder. Après, il y a ceux-ci aussi. Ils sont originaux, mais c'est pas demandé. Je vais regarder ça parce que moi, je veux pas un stylo bleu Bic. Je déteste les stylos bleu Bic, j'arrive pas à écrire avec. Ouais, ça je sais. Bah, toi, c'est les pilotes que t'aimes bien. T'aimes bien écrire avec. Ceux-là? Non, c'est pas ceux-là, non. Par contre, il va nous falloir quand même des surligneurs. Et on va jouer dans la carte de l'économie. Et en plus, il y a du violet dans celui-là. Donc on prend ceux-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des crayons à papier, là? Là, ce sont que des critériums. Ah, oh, les critériums, on prend pas. C'est comme les crayons. Ouais, mais non, c'est pas dit, ça. Toi, t'es dit, prenez votre crayon, votre... Critérium. Voilà. Bon, alors, on va tester, mais on va tester ceux-là. Parce que moi, j'en prends pour le dessin. C'est exactement les mêmes, sauf que c'est chez Cultura. Ah, ils ont pas dit les compas, Sindel, pour l'instant. Tu as besoin d'une ardoise. Tu as toutes celles-ci. Et tu as les stylos qui sont avec. Laquelle tu veux? Tu as du rose, du rouge fluo, on dirait. Celle-là, elle est turquoise. Celle-là. Celle-là? Celle-là, elle est bien pour porter, mais... Ah oui, elle est tout fermée. Oui, il y a les passeurs, elle est tout pareil. Elle est plus petite. Donc elle est plus petite, là, il y a les chiffres. Donc celle-là, d'accord, allez je la prends. Et ben du coup tu vas prendre aussi une paire de feutres. Voilà, pas trop gros, ça c'est très bien ça. Parce qu'après c'est trop gros, ça fait des pâtés sur la truc, c'est pas terrible. Odeur faible, pointe résistante. D'accord, une règle. Alors c'est 30 ou 20 cm au choix. Celle-là, ça comme ça. Attends, elle fait combien celle-là? Ouais, 30 cm. En plus, tu as besoin d'une équerre aussi. Équerre, machin truc là-dessus. Donc impeccable. Là, on a quoi? Là, on a ça en bleu. Bon, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Il y a un rapporteur parce que je suis une rapporteuse. N'importe quoi. Alors, il y a combien d'articles? Ah, attends. Kit de traçage pour gaucher. Ah, alors ça m'intéresse. Ah, tiens, c'est là. Donc on va plutôt prendre celle-ci, hein. Voilà, et puis ça coûte pas plus cher, donc vous voyez, là, voilà, impeccable. Combien de centimètres? 30 cm. Impeccable, alléluia, on a trouvé des fournitures pour gaucher. Alléluia, c'est la première fois de la soirée. Je pense qu'on va quand même prendre un compas. Il y a des compas pour gaucher ou pas? Ou c'est tous pareil? Je sais pas. Gris, bleu ou vert, Sindel? Tu dis là. Le bleu. Ok. Est-ce que vous me connaissez? J'adore le bleu. D'accord. Allez, maintenant crayon à papier et gomme. Ah, par contre, là, il y a de la colle. Ah, oui, ça, c'est bien. Par contre, ouais, je prends ça. Faudra mettre. Par contre, faudra mettre tous les bâtonnets de colle dans ma trousse parce que les colles, un jour. Il faut rester de la colle. D'accord, ok. Ensuite, crayon à papier. Parce que moi, je suis en train. Ah, bah tiens. C'est ici. Je fais toujours des gommes, moi. Alors l'année dernière, on t'en avait pris un comme ça. Est-ce que ça te plaît? Ça dépend. Ou tu veux un autre? Bah, je sais pas. Ou est-ce que ça te convenait ou t'en veux un autre? Ça me convenait, mais je veux savoir si c'est droitier ou gaucher. Alors est-ce que c'est écrit dessus si c'est gaucher ou droitier? Ouais. Non, c'est pas écrit dessus. Pour ce crayon-là, il a combien? Il a 49 centimes, ça va? Mais non, on va prendre un pack. Parce que là, un crayon, faut aller. Au moins, ça coûte pas cher 49 centimes. Ouais, non, mais c'est pas ça. Regarde plutôt ça, là. Tu vois des packs comme ça où il y en a plusieurs. Ça dépend. Non, on n'a pas de gomme. Des HB. Non, mais la gomme, je suis obligée de l'acheter. C'est Noël. Bon, on va prendre celui-là. Hein, parce que sinon, il y en a pour 3 heures. Tiens. Et maintenant, on va chercher la gomme et le taille crayon. Ah, tiens, voilà. Voilà ce que je te disais, un taille crayon avec réservoir. Alors là, tu as de tout, tu as des globes terrestres, tu as des petits trucs comme ça, tu as des petits trucs comme ça, tu as des petits trucs comme ça, tu as des sortes de petits lapins croqueurs. Ah, c'est un comment en fait? Ça, c'est marrant ça. J'aime bien ça, c'est rigolo. Petit lapin croqueur.
je vois le petit lapin. Une sorte de petite poubelle. Hein? Alors? Non, 2011, c'est toujours pas. Bon, moi. C'est pas un stylé. Oh, moi j'en ai un depuis lapin. C'est stylé la petite poubelle, mais j'ai toujours le père avoir un lapin. Ah, bah prends un lapin alors. Ouais, on pose la patte de petite poubelle bleue. Alors, quel petit lapin tu vas nous prendre? Non, ça c'est pas un petit lapin, c'est la grenouille. Ah, c'est marrant aussi les grenouilles. Là, je préfère les petits lapins. Moi, j'aime bien celui-là, moi. Sur le crayon, dedans, il y a y a celui-là. Ah, je sais, là, là, c'est la grenouille. Oh, il y a tout qui tombe. Ouais, il y a trois sortes de lapins, comme ça, comme ça et comme ça. Bon, on prend comme ça, parce que là-dessus, tu vois, vous voyez qu'il y a du beau violet, ouais. Beau clair, et là, il y a du beau bleu. Ok, en gomme, on va pas se casser la tête, on va prendre ça. Voilà, très bien. Feutre et crayon, bah là, il y en a. Des feutres et des crayons. Tiens, là, il y a des crayons, je crois. Ouais. Là il y a des crayons. Ok. Bah vas-y prends les. Hein. Il y en a 24. À combien? Je sais pas. 3,69. Sans originaux, hein, j'aime bien ça. Oula, il y a quelqu'un qui a fait tomber un gros truc par terre. Ok, et là je crois qu'on a les feutres. Bah encore, il y a encore des feutres là. Il y en a là. Non pas ceux-là. Ceux-là, c'est pour les dessinateurs. Donc là, on a aussi tout un assortiment de crayons et de feutres. Voilà, là aussi. Je me demande si tout à l'heure j'ai bien pris de la colle. C'est de la colle que j'ai pris. Oui, si. Alors, qu'est-ce qu'on fait en feutre? Qu'est-ce qu'on prend? Regardez, moi j'ai pas regardé. Là, il y a ça. Ouais. Et moi, j'ai acheté cela il n'y a pas longtemps et j'ai été très déçue. Ça peluche pas mal sur les feuilles, c'est pas terrible. Ouais. Donc, ouais, très déçue. Ok, donc les feutres c'est fait. Maintenant il te manque une paire de ciseaux. Est-ce que ce serait par ici? Oui, c'est ici. Alors on va essayer de voir s'il y a une paire de ciseaux pour gaucher. Est-ce qu'il y a. Ah, il y en a pour. Ah, ben voilà, regarde. Pour gaucher. C'est une belle. Ah, c'est pas vrai la gauche. Ouais, par contre il n'y a que des oranges. Hein. C'est pas. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Ça c'est pour quoi? Bah, c'est pour droitier, ma fille. La guerre des produits pour gaucher, on galère toujours. Hein. Ouais, mais ils ont fait que les oranges. Hein. Ah, méga déception là. Ouais, après ce sont des ciseaux. Hein. On n'a pas le choix. Dernière chose à trouver, c'est un cahier de texte. Allez, on espère qu'il y en aura. Là-bas, j'ai vu des agendas. Allez, il y a celui-là sinon. Préfère quand même. Tu préfères, donc on va reposer l'autre. Mais il faut en prendre deux parce que dans deux mois, dans un jour, on les trouvera plus. Ouais, non, mais t'inquiète pas qu'on va le trouver. Les cartables, pour l'instant, on prend pas. Tu gardes le poupée LOL et si d'ici ton retour chez papa, tu veux changer, on changera. Mais pour l'instant, voilà, c'est surtout les fournitures. Donc là, on cherche les cahiers de texte. Est-ce que vous avez vu quelque chose, les filles? Parce que moi, je les vois pas. Là, c'est quand même pas des agendas, ça. Si? Ah ouais, c'est des agendas. Il y a celui-là, il est mal là-bas. Ouais, il est bien grand. Alors t'as les chevaux, ouais t'as celui avec le chien que t'avais. On va peut-être faire le tour, il y aura peut-être quelque chose d'autre encore. Parce que là, c'est pas non plus une fifou. Bah, y a pas grand chose en cahier de texte, y a surtout des agendas. Ah, après il y a l'agenda poupée là. Maman, regarde. Ouais. L'agenda. Regarde, ils sont en bas les cahiers de texte et il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que ça. Et à la rigueur, il y a celui-là. Mais c'est pas énorme. Ah non, il y a ça aussi. Ouais, y a, voilà, il y a ça avec le petit lama. C'est pour Nola, ça. Non, regarde ces cahiers de texte aussi. Oui, c'est pour Nola parce que ah Nola, oui. Là aussi, il y a les cahiers de texte. Ça c'est quoi? Ça c'est agenda, ça c'est agenda, ça c'est agenda. Après, il y a celui de l'atelier de Roxane. Où? Je sais pas. Je sais qu'il est sorti, mais je sais pas où il est. Je cherchais Nola et puis je l'ai retrouvée au piano. Thank you.
On va vous montrer très vite fait ce que c'est de la prue. Hein, c'est pas un quoi dans mon sac, hein, c'est juste pour vous montrer voilà, ce qu'on a pris. Alors, on commence par des marqueurs fluo. Voilà, de la marque Cultura. Tous de la marque Cultura. Ouais, il y en a 6 dedans. Ok. Voilà, donc là, il y a les 4 couleurs de stylo Bic et il y en a combien? 20 plus 2, je crois. Ok. 22. Ouais, 22. Des crayons gris HB. Voilà, il y en a 6. Une trousse en plus. Vous les voyez les paillettes? J'ai un visage bleu. Petit stylo très sympatoque. Un compas. Un compas. 3 ans pour le dire la moi alors que c'est écrit juste dessus. Ensuite, des crayons. Des crayons de couleur. Ah non, c'est juste qu'ils se mettaient en clés. D'accord. Des crayons de couleur de chez Cultura, toujours pareil. 24 crayons de couleur. Ouais. Ils sont assez sympas, je trouve. Hein. De la colle économique. Voilà, 10 bâtons de colle. Ils sont assez gros quand même. Hein. C'est 10 grammes chacun. Un paquet de Critérium. Alors ça, Cultura. C'est pour toi, mais c'est aussi pour moi. Je t'en mettrai un pour que tu testes, mais voilà, il y en a 6. Ciseaux moches de gaucher. C'est vrai qu'il n'y a presque rien pour les gauchers et ça devient dramatique là. Mais de plus en plus, Cultura met des choses pour les gauchers. Donc on est contente. On a trouvé 2 articles pour les gauchers. Feutre pour ardoise. Voilà, des Velleda. Voilà, c'est le 2e article gaucher. Voilà, alors là, je suis très contente par contre d'avoir trouvé ce set-là. Hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu galères. Hein, quand il faut tracer des traits avec la règle. Tu te rappelles comment tu galères? Ouais, et t'as même les bras devant et tout. Avant, avec Marie-Françoise et tout, elle me disait « Bah, ici, là, c'est là. Et oui, à chaque fois, c'est la galère. Donc, très contente. Il y a quoi dedans? Alors, nous avons une règle de 30 cm. Nous avons une écœur et un rapporteur. Ouais. Ensuite, nous avons ceci. C'est un petit crayon qui fait. Il est trop, trop beau. Il est assorti à tes vêtements d'aujourd'hui. Je fais un peu peur, vas-y, regardez. On voit 2 points là pour les yeux. 24 feutres pointe moyenne super lavable. Okay. Et moi, à chaque fois, je m'en mets partout alors que c'est trop mieux. D'accord. Alors ensuite. Du coup, c'est d'un poisson rose fluo. Ouais. Rouge, orange, rose fluo. Ouais. C'est pas trop. Saumon. Si on voit un petit peu les carreaux, à la caméra, mais pas très bien. Voilà. Et de l'autre côté, c'est tout blanc, quoi. C'est ça. Voilà, tout blanc. Sinelle, en termes de cahier de texte, t'as pas trouvé ton bonheur, hein? Non, t'as rien trouvé, franchement il n'y avait pas grand chose. Comme on vous a dit, on est au mois de juin. Le 15, oh non on n'est pas le 15, on est le 12 juin, tu pars demain. Ouais. C'est ton papa, donc le 13. Ouais, les fournitures sont pas encore arrivées, donc franchement on avait tout fini, puis on n'avait rien trouvé en tant que cahier de texte. T'étais déçu? Ouais. Ouais. Agenda pareil, rien trouvé, t'étais déçu. Ouais. Et puis d'un coup on s'est arrêté. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Le dernier agenda interactif de l'atelier de Roxane. Ah, c'est du chocolat. Avec des petits gâteaux, des petits girlies, c'est trop mignon. Oh, il y a Nana, c'est mon préféré. Regardez, c'est Nana. On la voit là? Ouais. Regardez, trop chou, Nana. Et sachez que Nana, sur le TikTok de Sindel qui s'affiche juste ici, eh ben, Gaïa, notre chien, elle a fait un TikTok avec Nana et elle a gagné 9000 vues. Fourbe! La fourbe, elle t'a battu. Du coup, nous, on a essayé de la battre aussi. On n'a pas réussi. Téléchargez l'application, vous scannez les images qui sont à scanner, la couverture, et vous allez découvrir une petite vidéo. Tu veux essayer? Donc on va essayer, ouais. Alors il faut, vous voyez, il y a le cadre là et il faut mettre, voilà, c'est moi qui ai bougé l'agenda. Attends, bouge pas. Oui, c'est, ouais, bon. C'est bon. Wow. On se retrouve très vite là dans les pages. On va fouiller un petit peu tout ça, on va pas tout vous spolier quand même. Sinon, elle voulait faire plus, mais non. Tiens, t'avais oublié des gommes. Voilà, des gommes. Les amis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo et je laisse Sindel conclure cette vidéo comme d'habitude. A très bientôt. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Et surtout, si les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Enfin, dans longtemps quoi.